Merci beaucoup Samuel, merci beaucoup pour cette invitation, merci au Centre international de criminologie comparée de m'avoir permis de présenter cette recherche aujourd'hui. Alors effectivement, à la frontière du droit et des sciences de l'information, il peut se passer beaucoup de choses, et l'une d'entre elles, c'est notamment la gestion des constats d'infractions électroniques. À la frontière entre la gestion documentaire et la cyberjustice. Alors c'est un projet de recherche que je dirige avec Yves Marcoux de l'Université de Montréal, avec deux étudiantes à la maîtrise et deux étudiantes au doctorat, une équipe interdisciplinaire puisque les étudiantes sont à la maîtrise en sciences de l'information à l'UDM et les doctorantes sont en droit à l'Université de Montréal également. C'est également une recherche qui s'inscrit dans plusieurs axes de recherche, dans plusieurs groupes de recherche, et c'est intéressant de pouvoir articuler les différents aspects. En fait, c'est une recherche qui porte sur la gestion électronique de documents, qui a un volet cyberjustice, puisque c'est de la gestion de constats d'infraction qui introduisent les procédures pénales, et il est également question de données en ligne, de données en réseau, et de la confiance qu'on peut avoir en leur authenticité. Et donc sur ces trois volets-là, on rattache cette recherche à trois groupes de recherche. Le premier, c'est un projet belge qui s'appelle le projet Hector. C'est un projet qui est coordonné par l'Université de Namur en Belgique, qui est financé par le gouvernement belge et qui vise à développer des recommandations pour une bonne gestion hybride des documents électroniques et papier au sein des administrations belges. Hybride parce que le monde sans papier n'existe pas encore dans les administrations. Et donc, on a forcément besoin de savoir comment gérer ce double aspect. Et donc, c'est l'ambition du projet Hector, mais qui a différents volets, dont un volet en prenant des études de cas sur des constats d'infraction en Belgique. Et nous sommes le volet de droit comparé, on va dire, avec un petit peu le partage d'expérience entre la Belgique et le Québec. On fait également partie du projet Vers la cyberjustice, qui est coordonné et dirigé par Karim Beignet-Clef du CRDP à l'Université de Montréal. Et là, évidemment, qui s'occupe de tous les aspects d'informatisation de la justice au sens large. Donc ici, c'est vraiment de la gestion de l'information judiciaire. Et puis, ce projet se rattache également au projet Interpares Trust, qui est plus un projet, je dirais, qui est sous la coordination d'archivistes et de gestionnaires de l'information à l'Université de Colombie-Britannique, sous la direction de Luciana Duranti. Et là, c'est vraiment le thème global de ce réseau de recherche, c'est la confiance dans les données en réseau. Donc, c'est vraiment trois aspects qui se croisent très bien dans cette recherche, et c'est pourquoi cette recherche se rattache et est cofinancée par ces différents organismes et ces différents projets. Et l'objet même de la recherche, c'est le constat d'infraction électronique au Québec. Donc le constat d'infraction, si vous ne le savez pas, c'est un document officiel qui est rédigé par un officier public, le plus souvent un agent de la paix, un officier de police, qui constate une infraction. Donc l'officier atteste qu'une infraction a été commise. Il y a des formes à respecter, évidemment, pour faire ce genre de document. Ce document a des conséquences puisque c'est lui qui fait démarrer les poursuites pénales ou qui permet l'exigibilité d'une amende. Et en gros, si vous avez tous déjà reçu un ticket sur votre pare-brise, là, c'est simplement ça. Hein. C'est, vous avez le choix entre reconnaître que vous avez commis l'infraction et payer une amende ou plaider non coupable et aller en justice. C'est un document qui peut donc servir de preuve en justice si on va jusque-là. Donc c'est un document dont l'authenticité, évidemment, ne doit pas être mise en doute, sinon vous imaginez bien que ça représente des enjeux importants pour l'État qui poursuit par le biais de constats d'infraction. Alors si on prend le cadre juridique québécois, il est assez solide, en fait, le cadre juridique est là pour reconnaître le constat d'infraction électronique. D'abord parce qu'on a le code de procédure pénale et qui prévoit donc la procédure pénale de poursuite, le constat d'infraction doit être dressé par un agent, etc. Et il y a un règlement sur la forme des constats d'infraction qui accueille la possibilité que le constat soit sur support papier ou sur support électronique. Donc c'est officiellement admis dans la loi avec différentes conditions liées à l'intégrité du document et à une bonne gestion du document.
Et puis on a de manière plus générale, je dirais, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information qui déjà, à la base, reconnaît l'équivalence entre les documents papier et les documents électroniques, pour autant que leur intégrité soit préservée. Donc le cadre est assez bien en place et vise en fait très largement aussi bien les constats qui sont rédigé à la main sur un bloc formulaire papier carbone, etc., classique, que le document, le constat qui serait rédigé à l'ordinateur directement par voie électronique, mais aussi l'équivalent imprimé papier de ce constat électronique, et également la copie numérisée du constat qui, à l'origine, était fait à la main sur papier. Donc tous ces documents sont équivalents, moyennant une bonne gestion. Alors la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est: comment faire pour créer et gérer le constat d'infraction électronique pour qu'il soit parfaitement intègre aux yeux de la loi et donc que cette équivalence soit préservée? Et puis comment est-ce qu'on fait pour gérer le fait qu'il n'y a pas encore 100% des constats d'infraction qui sont électroniques? Donc on a une coexistence de documents papier et de documents électroniques. Certains sont imprimés, numérisés, etc. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette masse documentaire-là? Donc c'est les deux questions qui ont retenu notre attention à la base de cette recherche. Et donc au niveau de la méthodologie, je vous le disais, c'est vraiment une approche totalement interdisciplinaire avec une équipe interdisciplinaire. On croise le droit, les sciences de l'information. On travaille en collaboration avec la Belgique. Donc à la base, ça permet des comparaisons non seulement du cadre juridique mais aussi des pratiques. En Belgique, l'équipe belge étudie le constat d'infraction à la police fédérale et à la police locale, mais aussi un constat d'infraction qui est particulièrement bien établi chez eux, qui est dressé par un officier public qui est alors un inspecteur du ministère du Travail, si vous voulez, du ministère de l'Emploi, donc qui constate les infractions au droit du travail. Le travail au noir, toutes ces choses-là, mais le constat qui est dressé par l'officier ministériel en Belgique est déjà électronique. Et donc, il y a des comparaisons d'expériences qui peuvent être faites à cet égard qui sont assez intéressantes. En Belgique, par contre, le constat de police, qu'on appelle procès-verbal en Belgique, n'est pas encore électronique. Et donc, le point de vue québécois, l'expérience québécoise peut être assez intéressant pour eux à comparer pour voir quelles ont été les étapes de la mise en place, les difficultés, le cadre juridique également qui est différent puisqu'en Belgique on n'a pas de cadre juridique qui reconnaît le procès-verbal de police, le constat d'infraction électronique et l'équivalence au papier, ça n'existe pas encore. Donc il y a pas mal de choses intéressantes, d'interactions intéressantes à développer avec la Belgique. Au niveau des sciences de l'information, on s'intéresse à deux aspects. Alors moi, avec mon équipe, je m'intéresse plus à ce qui est gestion intégrée des documents. Je vais vous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Et mon collègue Yves Marcoux, qui est plus, je dirais, des sciences de l'informatique, de son côté, s'intéresse plus à la sémantique intertextuelle. Donc c'est vraiment comment les constats se décomposent en différentes rubriques. Ce sont des formulaires. Quelle est la sémantique qui est sous-jacente à ces rubriques? Est-ce que cette sémantique est explicite? Est-ce qu'elle est la même pour le policier, pour celui qui reçoit le constat? Est-ce qu'elle devrait être adaptée? Est-ce qu'elle est calquée sur la loi, etc.? Donc vraiment beaucoup de travail de sémantique sur lequel je ne pourrais pas vous dire grand-chose parce que c'est vraiment pas ma spécialité, mais en tout cas tout à fait intéressant. C'est pour ça qu'on est deux à diriger la recherche, n'est-ce pas? Chacun ses compétences. Et puis on a voulu travailler avec une étude de cas, parce que c'est pas quelque chose qui se fait dans la théorie. Là on peut pas juste avoir un cadre juridique et dire tout est beau, il faut voir comment ça se passe sur le terrain. Et là on a un partenaire privilégié qui est la ville de Québec et la cour municipale du Québec, puisqu'ils interagissent dans la création du constat d'infraction électronique. Et donc on a été les rencontrer, on a fait des entrevues, ils ont partagé beaucoup de documentation avec nous, ça a été extrêmement riche, et c'est un petit peu tout ce processus-là que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Bien sûr, au niveau méthodologie, on a aussi développé une revue de littérature, examiné le cadre juridique, etc., fait une recherche comparée pour voir un petit peu quel était le contexte à tout ça. Alors je vous disais, nous on travaille pas mal sur la gestion intégrée des documents, de quoi s'agit-il ? On parle beaucoup de GID aussi dans les acronymes dans le jargon des sciences de l'information, on va parler de GID. Donc gestion intégrée des documents, certains disent même gestion intelligente des documents.
parce que intégrer, c'est peut-être pas très parlant. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'on vise en fait une gestion globale de l'information, des documents, quel que soit leur support, qu'ils soient sur papier ou sur support électronique, et pendant tout leur cycle de vie. Donc pas seulement à la fin quand on doit les conserver, par exemple, c'est pas seulement de l'archivage électronique, c'est vraiment accompagner le document dans son processus de création, dans sa gestion, dans ses transferts et puis dans sa conservation. Donc c'est vraiment tout le cycle de vie qui est considéré, aussi bien les archives actives, les documents quand ils sont utilisés, que quand ils sont archivés et jusqu'à éventuellement leur destruction. Donc on vise ici quelque chose de long terme et l'objet de la gestion intégrée des documents, c'est en fait de pouvoir assurer une gestion efficace des documents électroniques et aussi d'anticiper évidemment les éventuelles questions d'authenticité, d'intégrité qui pourraient se poser tout au long de son cycle de vie. C'est-à-dire dès la création, on doit se préoccuper de créer un document valide et qui va le rester. Donc il faut aussi le préserver de manière à ce qu'il conserve toutes ses qualités tout au long de son cycle de vie. C'est une gestion intégrée et intelligente aussi parce qu'elle tient compte de tous les aspects de la gestion de documents, y compris les aspects légaux et réglementaires, et dans une perspective, je vous le disais, d'efficacité, c'est une gestion intelligente. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris comme étude de cas la ville de Québec? Mais en fait, c'est parce qu'ils sont vraiment précurseurs en matière de constat d'infraction électronique, puisque ils ont mis en place leur premier système de constat électronique en 1988. Donc ça nous fait quand même pas mal de recul sur la question. Bien sûr, les systèmes ont évolué depuis, qu'on se rassure un petit peu, mais justement, ça donne une bonne expérience à ce sujet, puis ce sont des gens extrêmement dynamiques, vraiment très agréables, ils étaient très désireux de partager leur expérience. À ce jour, à la ville de Québec, on a 95% des constats d'infractions municipaux qui sont émis sous forme électronique. Donc il reste seulement 5% qui sont créés traditionnellement sur papier. La raison, c'est qu'en fait, ces 5%-là concernent des infractions plus marginales qui sont constatées le plus souvent par des agents qui ne sont pas dans des véhicules motorisés équipés d'ordinateurs, et pour lesquels l'investissement ne se justifiait peut-être pas étant donné que ce sont des constats un petit peu plus rares. Donc ces 5%-là, ils sont reçus par la cour municipale sur papier, mais ils sont numérisés par la cour pour être gérés électroniquement par la suite. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure également, parce que ça fait partie de cette gestion. Vous avez ici derrière moi un exemple, si vous n'en avez jamais eu, si vous n'avez jamais stationné votre voiture illégalement à la ville de Québec, voilà un petit exemple de ticket qu'on peut avoir sur son pare-brise. Alors, ils ont été vraiment très ouverts à nous montrer leur système. Donc, on a eu le plaisir d'avoir une petite démonstration sans devoir mal garer notre voiture. Hein. On n'avait pas commis d'infraction, mais on a fait une simulation dans le véhicule d'un officier de police qui a donc bien voulu nous montrer comment fonctionnait la billetterie électronique, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça se présente comme un ordinateur portable, mais qui est vraiment intégré dans le véhicule de police. Et à titre d'exemple, je vais vous montrer les différentes étapes de création du constat pour une infraction classique de stationnement, disons. Donc l'infraction de stationnement a ceci de particulier que, comme vous savez, il y a souvent des bornes avec détecteurs qui permettent de dire si le paiement est expiré pour cet emplacement-là. Ne vous trompez pas quand vous mettez l'emplacement, évidemment, dans la machine au moment de payer. Et donc, la première question, évidemment, en termes d'authenticité, c'est qu'il est vraiment indispensable que seul l'agent puisse créer le document et qu'on soit certain que c'est bien cet agent-là qui a créé le document. Donc, une question d'identification qui est évidemment très, très importante. Et l'identification revient à deux moments de la création du constat d'infraction. Il y a deux moments clés d'identification. Il y a d'abord quand il commence son service. Il allume sa billetterie, il ouvre une session et c'est avec sa clé USB personnelle qui est vraiment sur lui qu'il va pouvoir brancher dans l'ordinateur et il va jumeler cette identification matérielle avec un mot de passe qui doit être changé à tous les 45 jours, etc. Donc comme ça, il se connecte de manière sécurisée au système et pourra construire au fur et à mesure, créer au fur et à mesure son constat. Il ne peut absolument pas prêter sa clé à un collègue, etc. Donc c'est vraiment très clairement un mode d'identification personnelle.
Bon, alors chaque infraction, il faut localiser l'infraction, bien entendu. Vous savez que les bornes sont clairement identifiées. On sait, donc l'agent peut intégrer dans l'ordinateur dans quelle rue il se situe. Voyez ici, il va introduire la rue où il se situe et puis il va ensuite voir pour quel stationnement c'est expiré ou pas. Et donc s'il y a une voiture stationnée à cet endroit-là, ben, il peut constater l'infraction. Évidemment, ici je vous donne un exemple de constat pour infraction de stationnement. Ça peut être outrage à agent, outrage enfin, trouble sur la voie publique, ivresse, ça peut être toutes sortes d'infractions, mais celle-ci est particulièrement automatisée puisqu'il y a une interaction entre les bornes et l'ordinateur en prime. Donc du coup, il va remplir étape par étape son constat en disant que voilà, quels sont les arrondissements concernés. Vous pouvez déjà constater que l'amende s'est affichée automatiquement 49 $ au-dessus. Donc le calcul de l'amende se fait assez automatiquement. Alors il a après un menu déroulant d'infractions, il va identifier quelle est l'infraction qui a été commise. Il y a une base de données des infractions. Il peut faire une recherche par mot-clé s'il n'est pas sûr de l'infraction qui a été commise. Par exemple, s'il a été insulté, il tape les gros mots qu'il a entendus personnellement et on peut lui sortir les infractions d'outrage à agent, etc. Donc, ils se sont bien amusés, évidemment, à créer tout ce thésaurus. Ça demande beaucoup de créativité. Et donc, il y a tout un thésaurus de mots-clés qui permet à l'agent facilement, en fonction des mots-clés qu'il introduit, d'avoir des suggestions d'infractions. C'est beaucoup plus facile pour identifier évidemment le texte de loi applicable et la peine qui est applicable dans ce cas-là. Donc ici, il a sélectionné l'infraction de stationnement, donc automatiquement la peine s'est affichée. Vous verrez des exemples tout à l'heure également. Par la suite, il doit évidemment identifier l'emplacement précis de l'infraction, donc ça c'est assez classique. Il doit identifier le véhicule, donc l'immatriculation, etc. Et là, il peut immédiatement se connecter au centre de renseignement policier du Québec depuis sa voiture pour savoir, pour avoir les données du véhicule, éventuellement un défaut d'assurance, etc., pour pouvoir compléter son constat le cas échéant. Alors, soit la personne est présente, le contrevenant est présent, arrive en courant auprès de la voiture en disant « je m'en vais tout de suite, non, ne verbalisez pas », soit il n'est pas là, et donc soit on identifie vraiment la personne qui était à côté du véhicule, soit on identifie juste le propriétaire du véhicule, en l'occurrence grâce, je vous le disais, au système central auquel on s'est connecté. En l'espèce, toutes ces étapes doivent être clairement documentées. Hein. Le constat, c'est vraiment un document qui doit contenir des mentions obligatoires. Et s'il n'a pas ces mentions-là, il n'est pas valable. Donc, l'informatisation du constat permet vraiment de garantir sa complétude et le fait qu'on ne va pas pouvoir le contester par la suite. Donc, c'est vraiment un outil qui vient en soutien à l'agent, étape par étape. Et donc, ici, il peut dire soit il a identifié formellement le propriétaire, soit il a... identifier le contrevenant, il va dire avec quel type de document, est-ce que c'était un passeport, un permis de conduire, une carte soleil, etc. Donc tous ces éléments semblent très détaillés, mais sont vraiment importants pour garantir la validité du constat, pour garantir que chaque étape a bien été faite. Vous voyez ici, il a tout un choix, et ça lui permet également de choisir des modes alternatifs d'identification qui sont très larges, puisque ça peut être toute une série de données, même la carte d'hospitalisation, etc. En plus, il faut souvent constater les conditions routières, voir si la visibilité était bonne, etc., etc., parce que ça peut avoir un enjeu éventuellement sur les arguments que le contrevenant pourrait faire valoir devant le juge pour dire « oui, mais il neigeait beaucoup, le panneau était enneigé, ou on ne voyait, il n'y avait aucune visibilité, etc. » ou pour toute une série de constats d'accidents, des choses comme ça. Donc, il a tout un petit panel à remplir sur les conditions atmosphériques, routières, la chaussée, l'éclairage de jour, de nuit, quel type de zone c'était. Donc, ça lui permet vraiment de donner une description précise du lieu parce que ça va servir de témoignage à l'audience. Ça va être la version constatée par l'officier public. Alors, il peut aussi ajouter des commentaires en texte libre.
Mais à nouveau, pour ça, il a un thésaurus, il a un aide-mémoire pour l'aider à remplir la section commentaires. Et donc, on lui donne toute une série d'aide-mémoire du genre, est-ce que tu as vu le conducteur? Est-ce qu'il y avait un passager? Est-ce que tu patrouillais? C'était une opération ou une patrouille libre? Est-ce que le véhicule a été perdu de vue à un moment donné, ou le véhicule a-t-il été intercepté, ou la personne a-t-elle été interceptée, quelle était l'attitude? Donc, en fonction de l'infraction choisie, il a un aide-mémoire. C'est en plus c'est très précis parce qu'ici on est vraiment dans des suggestions qui concernent un véhicule. Est-ce qu'on a pris des photos, etc. Donc c'est très précis et ça lui permet d'ajouter des commentaires libres, mais être structuré pour être plus complet dans son rapport. Et il se trouve que les policiers au début, ben, comme chaque fois qu'il y a un nouvel outil, hein, on sait bien le changement, c'est toujours un petit peu difficile à gérer, mais assez rapidement, ils se sont rendus compte que c'était vraiment un soutien pour eux et que c'était vraiment pratique ce système. Ça leur permettait d'avoir également à témoigner moins souvent en justice parce que les constats sont moins souvent contestés sur le contenu puisqu'ils sont de meilleure qualité et plus complets. Donc quelque part, tout le monde y trouve son compte et c'est vraiment important quand on introduit un élément informatique dans un processus, il faut vraiment qu'il y ait une plus-value pour tout le monde, en tout cas que l'utilisateur, ça soit pas une charge pour lui, mais qui est aussi un retour pour lui. Et là, le retour est vraiment là. Je pense que c'est vraiment un projet qui est très bien reçu actuellement à la police, pour ces raisons-là. Alors, il y a des petites choses, comme par exemple ici, si c'était une injure à personne, on lui rappelle comme aide-mémoire de ne pas appliquer cet article-là si l'insulte était envers un policier, parce que c'est un autre article que si c'est juste une insulte ou des grossièretés proférées sur la voie publique. On dit qu'il faut décrire les paroles qui ont été dites par le contrevenant, quels ont été les gestes qu'il a posés, décrire le comportement général. Donc vraiment bien rappeler aux policiers tous les éléments qui sont en fait constitutifs de l'infraction. Donc pour constater l'infraction, il faut que tous les éléments soient là, sinon le juge ne va pas pouvoir confirmer en cas d'action en justice. Il y a des choses évidemment un petit peu typiques aussi, comme par exemple le fait d'uriner sur la voie publique. Le policier nous a expliqué que il devait absolument avoir vu le jet d'urine et donc que l'article lui rappelait qu'il devait dire « j'ai vu le jet d'urine ». Ça doit faire partie du constat. Donc voilà, il y a des choses très spécifiques qui doivent apparaître dans le constat, puis il s'agit de le dire, sinon ça n'a pas été constaté. C'est vraiment un témoignage et il doit être détaillé. Alors, lorsque le constat est complété, au fil de toutes ces étapes-là, il faut qu'il soit signé et validé. Donc, à ce moment-là, le policier, puisqu'il l'a identifié il a ouvert une session, il s'est identifié, donc on sait quel est son matricule, son nom, son prénom. Il va réencoder son mot de passe, et c'est considéré comme une signature valable. Et donc, à ce moment-là, son constat est complété, donc il va pouvoir l'imprimer et le transmettre à la cour. Alors d'une part, l'imprimer, ben, en fait, ça c'est l'aperçu avant impression. Donc vous voyez, on travaille avec une base de données, en fait, hein, on a vraiment des données structurées, et c'est un formulaire qui a été rempli de manière électronique, tout ça est dans une base de données. Et puis ça va sortir sous l'apparence du constat d'infraction. Et ça va être imprimé directement dans le véhicule, sur l'imprimante qui est dans le véhicule, et ça va être remis soit directement au contrevenant, soit sur son pare-brise en guise de petit cadeau. Et puis, c'est non seulement imprimé, mais aussi imprimé et transmettre à la cour. Vous avez vu le bouton tout à l'heure. Donc en fait, il y a une transmission électronique du constat entre le poste du policier et la billetterie de la police. Donc il y a une connexion qui se fait entre les deux, il y a une synchronisation entre son poste local et le système. Et vous voyez ici le processus de transfert. On lui dit que la synchronisation est terminée, toutes les données ont été importées, etc. De son côté, donc ça c'est transféré à la billetterie de la police. De son côté, la cour municipale va se connecter environ, allez, maximum toutes les 30 heures, donc je dirais une fois par jour. La cour municipale va récupérer dans la billetterie de la police toutes les infractions électroniques qui ont été constatées dans ces 24 ou 30 heures précédentes et les rapatrie dans sa propre base de données. Une fois que ce rapatriement a été fait, la billetterie de la police ne peut plus être modifiée.
Vous imaginez, parce que sinon, ça ferait deux bases de données avec des constats différents. Donc, si le policier voulait modifier son constat, ça doit vraiment être annulé. Il doit faire annuler officiellement le constat émis et puis en réémettre un nouveau. Donc, il ne peut pas aller dans la billetterie et corriger. Une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. De son côté, la cour municipale qui a reçu allez, importer toutes les données chez elle, va d'abord procéder à en fait l'impression de chacun de ces constats, donc une deuxième impression, pour les envoyer par la poste à chaque contrevenant, parce que c'est ça la notification officielle. Parce que sur le pare-brise, ça peut s'envoler, etc., etc. En tout cas, la loi impose qu'il y ait cette notification par la poste à l'adresse du contrevenant. On s'entend que ça fait un petit peu double emploi, etc. C'est des choses à réfléchir, mais pour l'instant, c'est la seule manière qu'on a encore de garantir que le contrevenant l'a bel et bien reçu. Et puis, hormis cette impression-là pour le contrevenant, la Cour va conserver dans sa base de données et gérer les constats d'infraction sous forme électronique. Donc, toute la gestion se fait de manière électronique. Si ce n'est que lorsque l'affaire va en justice, donc s'il y a un plaidoyer de non-culpabilité, puis qu'on se retrouve en justice avec cette affaire-là, eh bien, à l'heure actuelle, le greffe de la cour va imprimer le dossier de poursuite avec les constats imprimés sur un papier officiel pour le juge. Donc le juge fonctionne encore à date avec un constat, avec un dossier papier. Donc on s'entend que tout le processus n'est pas encore totalement informatisé, ça prend encore du temps, mais dans une perspective de cyberjustice, la Cour municipale du Québec a lancé un projet de cybercour municipale. Ils ont d'ailleurs fait une conférence de presse à ce sujet il y a une semaine. Et donc c'est vraiment dans leur projet d'essayer d'aller au bout du processus, pas seulement pour le constat d'infraction, mais de manière générale pour qu'on puisse produire des preuves électroniques en cours, des choses comme ça. Donc ça fait partie de ce vaste projet-là. C'est sûr que à terme, l'idée, ce serait d'avoir une intégration maximale des nouvelles technologies dans le projet. Est-ce que j'ai pas déjà dit ça? Si. Excusez-moi, c'est redondant. Alors, le contrevenant, de son côté, ben, finalement, il va recevoir une version, il va toujours recevoir une version imprimée du constat, potentiellement deux fois, une première en personne ou sur son véhicule, une deuxième fois par la poste, qui vaut notification officielle. Et puis après, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il a son numéro de constat, il a un numéro unique de constat. Bon, ici, c'est un exemplaire, mais il y a toujours chaque constat un numéro d'identification. Et donc, il peut se connecter sur le site web de la ville de Québec. Je pense que la ville de Montréal a le même système, pour payer en ligne son constat. Donc, il peut encoder le numéro et il va se retrouver sur une plateforme de paiement pour payer directement son ticket. Ou bien, il peut aussi considérer qu'il n'a pas commis cette infraction, il veut plaider non coupable, et à ce moment-là, ben, soit en fait, il a de toute façon, sur sa version papier, il a un petit formulaire de réponse, mais si jamais il ne l'avait pas ou il l'avait perdu, il peut télécharger, imprimer et compléter son plaidoyer de non-culpabilité, mais il doit le renvoyer par la poste. Alors à nouveau, dans une perspective de toute informatique et de cyberjustice, on pourrait envisager qu'il puisse remplir en ligne son plaidoyer de non-culpabilité et l'envoyer en ligne à la cour municipale. Ce qui se passe, c'est que ça soulève évidemment des questions d'authentification, d'identification de la personne, puisque là, on est vraiment dans une perspective d'action en justice. Il faut voir comment on procéderait, mais à nouveau, c'est des choses qui sont envisageables et qui sont à l'étude. Donc ça, je vous disais, c'est pour tout le volet des 95% de constats d'infraction qui sont électroniques, qui sont créés directement de manière électronique. Il y a les 5% restants qui sont sur papier, je vous le disais. Ça peut être, par exemple, des infractions, je ne sais pas, je pensais en matière de protection des animaux, des choses comme ça, avec des agents particuliers qui ne sont pas nécessairement équipés. Ce qui va se passer, c'est que la cour municipale, le greffe de la cour municipale, a toute une unité de numérisation. Enfin, une unité qui regroupe 4-5 personnes, je pense, tout l'équipement pour numériser les constats émis sur papier. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'exemplaire de la cour, donc l'exemplaire qui est destiné au juge, la copie du poursuivant, donc l'exemplaire qui est fait par l'agent, éventuellement un rapport d'infraction s'il y en a un qui a été dressé.
Donc, cette unité de numérisation, on l'a visitée. Elle se situe dans un entrepôt d'archives de la ville de Québec. Et si vous voulez, il y a tout un. Je ne sais plus si j'ai mis ça sur la diapo d'après. Vous avez chaque constat papier a un code barre actuellement, ce qui permet déjà au moment de scanner le document d'identifier le document. Le code barre est lu automatiquement et donc ça va déjà dans les métadonnées du document. Le nom du document correspond à son code avec éventuellement les données de date de numérisation, etc. Et il y a toute une procédure de qualité qui est faite. Donc c'est la même personne qui doit numériser. Je dirais, si on reçoit une pile de un contenant de constats, c'est la même personne qui les numérise. Il y a un contrôle qualité qui est fait ensuite par une personne différente de la personne qui a numérisé. Il y a également, il peut y avoir des constats dont le code barre est déchiré, donc on n'a pas, alors le code barre n'a pas pu être scanné, donc il va falloir essayer de retrouver, de recoupler la copie numérique au constat papier. Il y a des petites choses qui ne peuvent pas être totalement automatisées comme ça. Mais bon, an, mal an, tout va plutôt bien pour ce processus de numérisation qui compte environ 900 constats numérisés par jour. Lorsqu'ils sont numérisés, on les garde encore, je pense, 2 mois à des fins de sécurité pour être sûr que tout est correct. Puis on détruit l'original papier, on ne conserve que la copie numérique qui est donc jointe au dossier. Et tout le dossier est alors traité numériquement, si ce n'est que, à nouveau, à terme, ça peut être imprimé pour le juge dans son dossier de poursuite. Alors, vous doutez bien, quand il y a numérisation, il y a une question d'authenticité qui se pose, puisqu'on change de support, il y a une manipulation qui est quand même humaine, donc il faut un certain nombre de garanties d'intégrité du document. Le contrôle qualité est également là pour le garantir. L'intégrité et l'authenticité peut aussi être garantie parce qu'il y a une vraie politique de numérisation, il y a des procédures à suivre. On a vu dans le local de numérisation, les procédures sont affichées, elles sont clairement communiquées aux agents qui sont formés, etc. Donc en cas de contestation, peu plausible, il faut bien le dire, mais en cas de contestation de la validité de la copie numérique, on peut expliquer comment le processus se déroule. Et on a également tout un contrôle qui est fait avec des données de traçabilité. Alors, la petite faiblesse, c'est qu'à l'heure actuelle, ces données sont encodées à la main. Elles ne sont pas automatiquement générées à la numérisation. Ça aussi, ça doit être travaillé. Mais en tout cas, on a toute une série de données qui permettent de dire, ben, par exemple, à l'arrivée à quelle date les données ont été encodées dans l'ordinateur lorsque le constat papier est arrivé à la cour. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le constat papier arrive à la cour. Un commis reproduit les données qui sont dans le constat papier pour ouvrir un dossier et puis envoie ça à numérisation. Et l'image numérique qui est générée au service de numérisation est ensuite récupérée et associée au dossier qui a été ouvert. Donc, quand est-ce qu'on a ouvert le dossier? Quel est le type de constat numérisé? Est-ce que c'est la copie cour, la copie poursuivant? Quel est le numéro du lot? Quelle est la date de transmission des constats? Quand est-ce qu'on les a reçus? Combien de constats on a compté dans le lot, etc. Donc il y a toute une série de données de vérification très précises et les initiales de l'employé qui a numérisé, ainsi on peut savoir également qui avait numérisé la procédure. Donc on a quand même pas mal de métadonnées d'authenticité sur la numérisation, si ce n'est, je vous le disais, qu'elles sont pour l'instant dans un simple fichier Excel. Donc il y a encore évidemment des petites choses à agencer à ce niveau-là. Alors ça, c'est les deux procédures qu'on a examinées dans le cadre de notre étude. Ce qu'on a sorti à date comme produit de recherche, ben en fait, c'est qu'on a modélisé tous les processus. Donc on a modélisé le processus d'authentification de l'agent. Quelles sont les étapes d'authentification? Quelles sont les étapes de création du constat pour voir donc comment le constat est créé, quelles sont les différentes rubriques, comment il est transféré, à qui, quelles sont les différentes bases de données intervenantes, aussi quelles sont les relations avec le contrevenant, c'est-à-dire avec qui interagit avec le contrevenant, il y a l'agent, il y a la cour, quel est le processus de numérisation du constat papier et quel est le cycle de vie finalement de tout le constat d'infraction, électronique ou papier.
Et finalement, pour l'instant, les conclusions qu'on en a retirées à ce stade de l'étude, c'est en fait déjà pas mal de bonnes pratiques et un projet assez fort du côté de la ville de Québec. D'abord une équipe dynamique, mais qui s'est aussi assurée le soutien de la direction pour développer son projet. Commencer peut-être aussi par des choses très précises, commencer par le constat d'infraction, au lieu de vouloir tout faire sous forme digitale, c'est parfois des projets pilotes qui démarrent le mieux, qui marchent le mieux. Une collaboration étroite entre les différentes unités, entre la police, la ville, la cour, entre la police et le greffe de la cour, et puis entre la section numérisation ou en interne avec la cour, ça se passe très bien. La collaboration a été assez étroite. La création même de la billetterie dans ces différentes étapes, le thésaurus, etc., ça a été développé en étroite collaboration entre la police et le greffe. Il y a des politiques internes qui se sont développées sur comment procéder, quels sont les processus de numérisation, etc. Pour être en tout cas toujours vigilant, pour être bien conforme au cadre juridique. Et en termes de gestion du changement, je vous le disais, c'est un changement qui ça a été une transition qui a été bien gérée avec les officiers de police. Déjà parce que c'est un officier de police qui a géré le projet en collaboration avec le greffe et puis qui s'est impliqué dans ce projet, qui a développé ce projet en connaissant parfaitement le terrain. Et puis qui a fait la formation des collègues, etc., le soutien aux collègues, une formation soutenue sur le terrain, qui fait que les gens, les agents se sentent de plus en plus à l'aise avec l'outil et y voient une réelle plus-value. Donc ça, c'est vraiment des forces. Les choses qui sont encore à considérer, mais qui sont déjà d'ailleurs considérées par la cour et le greffe actuellement, c'est que auparavant, en tout cas jusqu'il y a quelques mois, la Cour n'avait pas encore procédé à de destruction des constats électroniques depuis leur système de 2007. Il faut savoir qu'en fait, ils ont changé de système en 2010 et donc ils vous laissent garder des données statistiques pour voir l'évolution du système et si tout était bien correct. Donc ici, maintenant, ils procèdent à une sélection et à une destruction progressive des anciens constats parce qu'ils ont suffisamment de recul pour voir comment le projet a évolué. Donc ce tri et cette sélection est en train de se faire maintenant. Je vous le disais, le constat est encore imprimé pour le juge, le dossier est encore imprimé pour le juge, donc on n'a pas du tout électronique, mais il y a un projet de cybercour municipal. En termes d'authentification, ils ont déjà une authentification de l'agent qui est assez forte, mais ils envisagent d'aller plus loin avec des processus d'authentification biométrique. Ils n'ont pas encore dit lesquels, mais en tout cas, on vise vraiment des choses encore plus individuelles qu'un code. En termes d'authentification aussi, évidemment, il faudrait trouver le moyen d'identifier le contrevenant si jamais on veut faire des procédures de plaidoyer de non-culpabilité en ligne. Il faudrait peut-être trouver des systèmes qui permettront l'authentification du contrevenant. Et puis, je vous le disais, en termes de numérisation, les métadonnées ne sont pas encore tout à fait automatisé. Et donc les métadonnées sont un élément important de l'authenticité, enfin, pour garantir l'authenticité et l'intégrité du constat. Donc ça, c'est quelque chose qui est en réflexion à l'heure actuelle. Également, le passage à des QR codes qui seraient plus efficaces que les codes barres également est envisagé. Alors, désolé si le reste est en anglais. La prochaine étape La prochaine étape pour le projet de recherche, ce sera de travailler alors plus sur le volet d'Yves Marcoux avec la sémantique intertextuelle pour essayer de réaliser un modèle de sémantique intertextuelle concernant le constat d'infraction et développer ce modèle-là, l'explorer pour voir si on peut faire quelque chose d'assez général. Et puis, les prochaines étapes avec la Belgique, alors, ça va être de comparer nos résultats, de comparer nos études de cas et de voir dans quelle mesure il y a des convergences, dans quelle mesure il y a des modèles communs qui peuvent se dégager, quel que soit, on va dire, le système de poursuite, hein, quel que soit le cadre juridique, pour en tout cas faciliter la gestion du constat d'infraction électronique. Pour préserver son intégrité, pour donner des consignes en termes de tri, de délai de conservation.
et aussi de schémas de métadonnées. Donc tout ceci, on va encore le développer, mais de manière plus globale, puisque le projet Hector, je vous le disais, vise en fin de compte, à travers ces études de cas, à permettre aux administrations belges en général, et pas seulement aux services de police, de gérer des documents hybrides. Et donc l'idée, c'est d'arriver à aussi des recommandations en termes de numérisation, etc., par rapport à la gestion hybride de documents et à la gestion hybride de dossiers de manière générale. Donc le projet n'est pas terminé, mais il va maintenant quitter, je dirais, la sphère très individuelle du constat d'infraction électronique pour partir vers quelque chose de plus global, de gestion intégrée de documents. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.